j'ai envoyé dans le groupe, je crois bien c'est le groupe B, c'est le groupe néerlandais. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gilo, Liam qui est programme du jour. On va aller s'entraîner, on va finir les devoirs et on va chercher les clubs. Pour l'instant, là, on va aller s'entraîner. C'est parti. Bienvenue dans la voix off. Alors j'ai fait un petit footing de 45 minutes. Prochaine fois, je mettrai les statistiques. Après le footing d'environ 45 minutes, j'ai fait quelques minutes de gainage. J'ai fait du gainage de face, 1 minute. Puis j'ai fait du gainage sur le côté pendant 1 minute aussi. Ensuite, je l'ai fait de l'autre côté aussi pendant 1 minute. Maintenant, les vidéos, je pense que ça va être tous les 3-4 jours. Hein. Parce que j'ai voulu faire le super-héros. Ouais, une vidéo tous les jours. Mais le montage, ça prend du temps. Et après, j'ai pas le temps de faire mes devoirs, tout ça. Donc maintenant, ça sera une vidéo environ tous les 3-4 jours. Voilà. Comme ça, il y aura de la qualité. Bon, maintenant, je pense que je vais aller chercher à manger. Ou peut-être manger à la maison. Et après, je vais faire mes devoirs. Là, ça a l'air cuit. Bon, je vais sortir et on va déguster. Ça a l'air bien bon. Petit exposé en cours d'athlétisme en STAPS. Un exposé en groupe. Les consignes sont là. Donc, du coup, je prends mes notes. Et après, on va faire un zoom. On doit déterminer son niveau à partir de différents critères, notamment la vitesse, l'équilibre et les foulées qu'il fait. J'avais oublié que j'avais un QCM à faire. Bon, je vais le faire en pâle. On va voir quelle note j'aurai. J'espère que ça sera carré, hein. Bon, bah j'ai eu 10 sur 20. Bon, ça va alors, ça va. Après le footing du matin, j'ai décidé de faire une petite récupération. Ici, j'ai massé ma voûte plantaire, notamment en faisant des mouvements de l'avant vers l'arrière. Là, maintenant, je fais des mouvements circulaires vers l'extérieur et j'en ai fait aussi vers l'intérieur. J'ai fait 10 tours, enfin 10 mouvements et 10 mouvements de l'avant vers l'arrière. J'ai fait aussi du pied gauche et du pied droit. Ensuite, j'ai fait de la proprioception avec un coussin d'équilibre. Je mettrai un lien pour ceux qui veulent s'en acheter un. Je l'ai fait deux fois jambes fléchies pendant 30 secondes et deux fois jambes tendues pendant 30 secondes aussi des deux côtés. Après cela, j'ai pris le ballon et je faisais le tour du coussin d'équilibre avec la balle. Les deux jambes, j'ai fait deux séries de 5 répétitions dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et aussi, je voulais vous montrer aussi quand je suis tombé. On dirait que je tombe au ralenti. Ensuite, j'ai fait du rouleau de massage, notamment pour détendre les muscles et faciliter la circulation du sang. J'ai fait les mollets, les cuisses, les adducteurs, les ischio-jambiers. J'ai fait le dos aussi, mais je vais pas montrer parce que il fallait que je me mette torse nu. Sinon, ça glisse sur le rouleau et il faut pas que je vous montre mon corps quand même. Faut pas que je montre mon corps quand même sur les réseaux sociaux. Quand même. En direct de mon lit. Avant de commencer le challenge, j'avais déjà commencé à contacter des clubs, notamment à l'étranger, en Belgique. Au niveau de la deuxième division amateur. Je vais vous montrer une équivalence ici, juste là. J'ai envoyé dans le groupe, je crois bien c'est le groupe B, c'est le groupe néerlandais. Du coup, j'ai envoyé plein de mails à tous les clubs, je pense à tous les clubs, oui. Et il y en a qui m'ont répondu. Ils m'ont répondu assez rapidement. Je vais vous montrer quelques captures d'écran. Fait recalcale. Mais ce que je trouve bizarre, c'est qu'il y a des équipes, ils ont dit ouais, leurs groupes sont déjà complets. Mais comment ça complet? La saison n'a même pas encore commencé.
On est en mars, mai, avril, et la saison est déjà, leur équipe est déjà pleine, complète. Alors que la saison, ça commence en septembre. C'est vraiment, je sais pas. Mais bon, ça, c'est pas un problème. S'il veut pas de moi, il y aura sûrement un club qui voudra bien de moi. On va encore chercher en Belgique. Peut-être non, peut-être en Belgique, mais dans la zone française ou dans d'autres pays. Mais bon, je vais voir. Ou peut-être je vais rester sur la France. J'étais sur la Bretagne, j'ai essayé de voir les clubs de R1. J'ai pas fait ça. Mais je vais faire les clubs de R1, qu'on les contacte, voir si je reçois des messages. On verra bien. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, laissez un commentaire. J'y répondrai. On se donne rendez-vous la prochaine fois dans peut-être 3-4 jours. C'est parti. Bam! Franchement, j'aime bien l'exercice que tu proposes là. C'est ça qu'il me faut.